Bonjour les amis, c'est toujours un agréable plaisir de partager ce petit moment fabuleux avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'une astuce très intéressante. Quelqu'un te demande l'heure. Quelqu'un t'arrête dans la rue et te demande l'heure. Quelqu'un au téléphone avec qui tu discutes, qui est à 10 000 km de là où tu vis, te demande l'heure. Est-ce que ça vous a déjà interpellé lorsque les gens vous demandent l'heure? En fait, c'est une méthode que les gens utilisent, mais qui passe inaperçue. Tu vas te demander, mais pourquoi on te demande l'heure? En fait, c'est la question que tu vas te poser. Pourquoi on te demande l'heure? Mais personne s'est déjà posé la question, mais pourquoi le monsieur m'a arrêté pour me demander l'heure? Mais en fait, quelle est l'utilité à cette personne qui vous demande l'heure? Qu'est-ce que ça peut lui apporter? Quel changement? Quelle aide? Logiquement, quand on demande à quelqu'un l'heure ou on demande quelque chose à quelqu'un, c'est pour un but bien précis. Soit la personne ne connaît pas le quartier. Soit la personne cherche quelque chose qu'il a peut-être perdu. Je peux comprendre, mais lorsque quelqu'un vous demande l'heure, ça doit vous interpeller, les amis. Parce qu'il n'y a pas de logique. Nous sommes aujourd'hui dans un monde où chacun peut vivre sans demander à l'autre. Je pense que, surtout pour l'heure, on n'a pas besoin de demander à quelqu'un. Tout le monde a un téléphone portable. En tout cas, c'est ce que je sais. Tout le monde a une montre. Donc, logiquement, personne n'a à te demander l'heure de là où tu vas. Qu'est-ce qui ne marche pas réellement? Qu'est-ce que les gens font en demandant l'heure aux autres? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi on me demande l'heure? À chaque fois que je sors, remarquez quand vous êtes dehors, même entre collègues, c'est bizarre. Mais je dis bien, tout le monde a un téléphone, tout le monde a une montre. Mais pourquoi on vous demande l'heure? Voilà la raison pour laquelle les gens demandent l'heure. Et qu'est-ce qu'ils en font réellement lorsqu'on vous demande de là où vous vous trouvez? La question que les gens se posent, c'est, ma chérie, madame, là où vous vivez, ça c'est les gens au téléphone, mais là où tu habites, là où tu te trouves, il fait quelle heure? Là où tu es en présentement, il fait quelle heure? Mais en fait, quel est l'objectif? Quel est le but? Qu'est-ce que ça peut lui apporter de savoir l'heure où tu vis? Abonnez-vous, c'est gratuit les amis, abonnez-vous, abonnez-vous. Vous allez découvrir les secrets fabuleux de ma grand-mère. Cliquez sur la cloche et cliquez sur le mot tout pour vous permettre d'avoir les notifications de la page de YouTube. Et je vous en prie, pour ceux qui n'ont plus les notifications de la page de YouTube, tous les matins, je mets une vidéo pour vous édifier. Donc, venez sur ma page, cliquez Astuces aimées sur ma page YouTube et vous allez avoir mes vidéos comme vous pouvez tous les matins. Ça va vous réveiller. Les amis, j'ai été surprise. Je marchais un jour dans un centre commercial, je dis bien dans un centre commercial. Quelqu'un m'arrête et il me demande l'heure. Madame, il fait quelle heure? Madame, il fait quelle heure? Mais avec insistance. Mais j'ai gardé mon sang-froid et j'ai regardé le monsieur en face. Je dis, mais monsieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Il me dit, non, je veux seulement savoir l'heure. Je dis, ah bon? Mais vous avez un téléphone dans la main. Mais le monsieur, ça l'a choqué en fait. Je dis, vous avez un téléphone dans la main. Alors, prenez le temps de regarder votre téléphone pour savoir l'heure. Je ne comprends pas. En fait, je n'ai pas compris le but de me demander l'heure. Le monsieur était choqué. Je pense que dans sa vie, il ne va pas le faire deux fois. J'étais arrêtée devant lui et je lui fixais dans les yeux.
Lui aussi me regardait. Arrivé un moment, il a fini par enlever ses yeux. Je lui ai dit, mon frère, j'ai dit, monsieur, ne faites plus jamais ça. Ce que vous venez de faire, ne le faites plus. C'est ce que j'ai répondu au monsieur. Il est parti sans même dire un seul mot. Ça m'a beaucoup interpellée et ça m'a mis la puce à l'oreille. C'est que les gens utilisent et demandent leur pour un but bien précis. Soit pour vous contrôler. Parce que en te demandant leur, cette personne prend quelque chose de toi, certainement. Quelque chose de toi, une partie de toi. Cette réponse permet à cette personne de te contrôler et de contrôler ta vie, certainement. Parce qu'il avait son téléphone dans sa main. J'étais choquée, choquée, choquée à savoir que le monsieur avait son téléphone dans sa main. Et il me demande, madame, s'il vous plaît, l'heure, est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît? Mais, je dis, mais vous avez un téléphone là? Vous avez un téléphone? Ah non, les amis, non, il y a des mystères dehors. Si tu n'es pas lucide, mais tu vas tomber dans quelque chose que toi-même, tu ne vas pas comprendre. Ce monsieur me demandait l'heure, dans quel but réellement? Ce n'était pas l'heure qu'il voulait. C'était juste pour peut-être me contrôler. Juste pour ne pas que je dorme. Juste peut-être venir m'étrangler la nuit ou appuyer et apparaître dans mon sommeil. Il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette histoire de demander l'heure. Ce n'est pas que ça qui m'a interpellée. Je reçois un appel de la Sud-Afrique. Mais cette personne, un admirateur, un ami qui m'appelle, mais de la Sud-Afrique, il sait très bien où je me trouve. Il sait très bien dans quel pays je vis. Mais le monsieur m'appelle le matin et il me pose la question, mais il fait quelle heure en ce moment, là où tu te trouves? Je dis, mais comment ça? Je dis, mais tu sais plus où je me trouve? Il me dit, mais réponds. Je dis, non, je ne vais pas te répondre. T'es un ami, mais tu sais où je me trouve. Comment tu peux me poser la question? Tu n'as qu'à taper sur Google ou prendre ton téléphone. Demande, bah, où se trouve... Tu vas trouver la réponse. Il me dit, mais comment tu fais? J'ai dit, mais comment je fais quoi? La personne m'a posé la question comme ça. Comment je fais? En fait, si vous êtes lucide, si vous prenez le temps d'écouter les gens, et de regarder l'attitude des gens, vous n'allez pas tomber dans n'importe quoi, les amis. Parce qu'il y a des choses dans la vie qu'on ne peut pas expliquer. Je dis que les gens ont soif de pouvoir. Certainement, ils ont soif de pouvoir et ils ont soif de découvrir des choses qui les dépassent. Quelqu'un qui est nouveau, qui a acquéri des pouvoirs dans un autre monde, ou qui allait s'initier à quelque chose qui le dépasse, la soif de cette personne, c'est d'expérimenter son pouvoir. Alors, je pense que c'est une méthode simple pour contrôler les gens, pour faire en sorte que, à la même heure où on vient de te demander l'heure, à 22h30, tu dis à la personne, « Ah, mais ici, il est 22h30 à Berlin. » Donc, ça veut dire qu'à 22h30, cette personne est connectée avec toi et il te suit partout, même dans ton sommeil. C'est comme ça, peut-être ça se passe comme ça. Parce qu'arrivé un moment, je ne comprends pas. Quelle est l'utilité de demander à quelqu'un l'heure pour atteindre quel objectif? Les amis, soyez prudents dans votre vie. Soyez prudents dans votre vie. Faites beaucoup de bien. Et mettez votre vie en sécurité. Il y a des choses dehors qu'on n'imagine même pas. Je me demande réellement si... Parce que je me suis même posé la question si le monsieur qui m'avait rencontré dans le supermarché, dans le centre commercial, était réellement un être humain. Parce qu'il était choqué lorsque je lui ai dit, mais comment? Vous avez un téléphone portable? En fait, le monsieur était ridicule. Il s'est senti vraiment... abandonné, vide en fait. Il s'est dit, mais à qui j'ai affaire? Peut-être dans sa tête, il s'est dit, mais à qui j'ai affaire? Non, je suis très attentive. Il faut que vous soyez très attentif. Parce que les gens, non,
Dieu a créé des mystères, des êtres humains avec des mystères qui nous dépassent, les amis. Si cette vidéo vous a plu, moi ça a été un super plaisir, un réel plaisir de le partager. Je vous demande de vous abonner, de vous impliquer dans les commentaires. On va en parler. Je pense que vous avez déjà vécu ce genre de phénomène où des gens vous ont posé des questions ou demandé leur à votre, vous n'avez pas fait attention et puis voilà. Si ça peut aider, partagez la vidéo au max. Il y a quelque chose qui se passe et les gens doivent être prévenus au plus vite à travers cette vidéo. À bientôt les amis pour d'autres astuces fabuleuses de Astuces.